Oh, le flasher de la part de Nuke Duck. Il avait à entre 20 et 25. Oh, c'est pas fini. C'est infernal. Yonkos, 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 il y a mettre du beurre là-dessus. L'ulti de Nuke Duck, on va revivre. Ah oui, mais le comité d'accueil est là. Oh, elle passe bien. Attends, le TP. On est assez loin du côté de Shuke, le fish qui ne touchera pas pour Cabo. Cabo qui veut trouver une option là-dessus. Le flash shield into dash de la part de la Caboche qui récupérera le kill sur cette phase de jeu. Est-ce que c'est terminé? C'est pas terminé. Le flash shield contre Akiu. Le flash shield, le slow sur Fritz, le route là-dessus. Et il va tomber finalement. Qu'est-ce qu'il arrive de police également qui va mettre énormément de dégâts. Il essaie d'écraser avec son poids les deux joueurs Vitality. Double kill. Voilà, on attend beaucoup de lui, forcément. Mécaniquement parlant, on attend. Après que la communication marche pas. Une arrow, Mighty Bear, on enchaîne. Ouais, au niveau des contrôles, c'est... On n'y va pas de main morte, hein. On met tous les ultimates. Il fait mal quand même, Yonkos, faut être assez prudent. Attention, oh, l'arro et le burst de la part des H2K. Troisième dragon encore une fois, et le dragon ancestral va être d'une facilité déconcertante pour H2K. Attention, Cabo qui prend beaucoup de dégâts, le flash in mon bureau de Mighty Bear sur Ryu. Mais ils sont pas là peu. Ils sont pas là peu finalement. On a le reset là du Zilean, mais ça suffira pas à Mighty Bear qui va tomber. H2K qui a pu tranquillement l'enfermer une fois qu'il était rentré. On a éloigné les autres joueurs Vitality. Atteint de flémingite aiguë. Attention à Mighty Bear. Ouais. Ah oh là, la roue sur Mighty Bear qui touche. Et les H2K n'ont plus qu'à se servir. Elle est magique, et à manger à la petite cuillère. Le jungler Vitality, c'est parti pour un call nashor pour les H2K Twix. Et il part extrêmement bien. Même si on arrive à temps pour Mighty Bear, n'a pas d'ultimate. Donc c'est Nurexa qui reviendra à pied. Attention à Freeze Limit. 2500. La double bombe. Megagnar est en train de zoner. Ouais, mais c'est en frontaine. Frontaine doit amener. Oh, c'est bon, c'est pris. Superbe double pris par, par les H2K. Attention à Police qui essaie de mettre des gars. Le flash est là par lui en cause. Ils veulent chercher le kill, les H2K. Pas mal sur Vitality. Lancé dans un couloir protégé par des bombes de Zilean, c'est hyper risqué, sauf sur touche à Coco. Oh, Nuke Duck qui a mis son ulti sur lui-même. La temporisation est bonne, là, H2K. Tant qu'il sortit le fish dans la backlane, sur Fritz, les bombes de la part de Nuke Duck. Et oh, c'est le Yonkos. C'est Yonkos. Mighty Bear qui fait un peu n'importe quoi lui aussi. Police qui tombe et les Vitality qui s'effondrent alors qu'ils avaient le scénario parfait. Mais ça fait complètement les affaires des H2K. Désormais Nuke Duck qui va tenter de courir la base très, est très percée loin. La base est assiégée. Il y a des sauterelles partout. J'avais pas les vu les deux toiles et Lexus qui sont tombés. Nuke Duck qui se fait 1v1. C'est terrible pour Vitality. Il y a un peu de BM aussi de la part de Gnar et Ryu qui va venir terminer cette game en ricanant. Attention quand même, il y a une karma qui va repop. Ryu, est-ce qu'il va terminer la partie ou est-ce qu'il va se faire assassiner? Et la terminera par deux coups de baguette magique. Alors là, Chips, tellement pas compris Vitality. Attention, Ryu, Nuke Duck en frontaine, Nuke Duck. Pour un dive, oh, le speed up de la karma derrière. On a encore Spoken qui va récupérer un coco au passage first blood pour les Vitality, pour Mighty Bear. On vous le disait, Yonkos est un homme toujours impliqué dans les first blood. Toujours en permanence, et ce cocon est extrêmement précis. On change le cible pour Ryu, montre une bonne rotation de CC, ce qu'on a suffisamment. C'est parfait, ça enchaîne bien Ryu qui va tomber. Le moyen de mettre des dégâts sur cette T1, peut-être même plus. Oh, le flanc. On doit aller par derrière, on doit aller par parfaitement contrôlé par Casey qui tombera quand même. Non, il va tomber. Impossible, il peut pas s'en sortir. Non, il peut pas s'en tirer. Par contre, attention les Vitality à ne pas gâcher ce super destin tempéré. Phase de siège pour Vitality. On n'a pas vraiment les armes nécessaires. S'enchaîne, on doit amener qui pourrait prendre d'énormes dégâts. L'arrivée de Kabocha. Le dunk dans la mêlée, le lien de Fonder sur Kabocha. Nuke Duck va pouvoir s'en tirer également. Il va prendre le tunnel. Le tunnel, effectivement, attention, Mantra Shield, le kissing, le lien qui se maintient. Alors, le double stun massif. Quel shackle de kissing. Il se sauve automatiquement sa propre vie. Et accélère sa vitesse de transit, attention le round numéro 2. Attention, le karma Rek'Sai lancé côté H2K. L'arro qui touche. Ça a touché. Kissing. Il est vivant. Non, il est tombé finalement sur le poumon métal. Et mort de Mighty Bear.
catastrophique. La flèche qui touche sur le bout et le destin tempéré qui... Ça... Mais ça fait pas les affaires de Vitality tout ça. Pas du tout. Par contre, les Shtukai... Oh là là là, mais il est... Démoniaque, Fried. Oh, ce destin tempéré, attention à la réception, Nukedog qui va mettre un ulti. Kamoxia, dans la backline, tout de suite l'exhaust. Les H2K jouent beaucoup trop bien paquet actuellement. Kamoxia qui navigue dans la mêlée, ça ne sert à rien, il est mort. Freeze qui prendra le kill, Nukedog qui tombe également. H2K va push. Mais par contre, les H2K, eux, ils valident un 2-0 contre Vitality après un 1 partout contre G2. Une bonne semaine. C'est une semaine en noir et blanc. Une bonne semaine pour H2K. Enfin, en bleu et blanc. Une semaine d'équipe top tier clairement dans CLCS Europe.